quelqu'un peut me dire pourquoi le mec en noir est en train d'appeler l'arbitre et est en train de crier? Tu as été trop lent, ils t'ont abattu, la ferme. 14. Je suis pas professionnel en foot, mais je sais que c'est légal de jouer avec la tête. Dans cette situation, je pense que le défenseur n'a rien fait de mal, hein. 13. Il y a certaines tacles dans la vie, quand tu te les prends, t'as rien à dire. T'as juste à prendre tes bagages et aller à la maison. 12. Je pense que ce défenseur a été inspiré par Ramos et Pepe. Combinaison des deux, ok? 11. Dans la vie, mes très chers amis, il ne faut jamais baisser les bras. Notre pauvre défenseur a été humilié et mis à terre, mais il n'a pas baissé les bras. Il est reparti sauver le but. Quelle légende! 10. Non, mais ce mec, en 5 secondes, il est parti de Ramos à Ronaldinho, hein. Mais il est bon. Il doit signer professionnel. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas professionnel. 9. Non, mais cette équipe a des envies d'assassinat. Premièrement, le défenseur et deuxièmement, le gardien. Pourquoi c'est pas du rugby? Ouais, ça. Que quelqu'un me dise ce qui se passe dans ce match, ok? Le mec en bleu et le mec en blanc-vert, donnez-leur une chambre d'hôtel, ok? Parce que je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais je sais que c'est carrément interdit aux moins de 18 ans. 7. Ce défenseur, il n'est pas là pour les hésitations. Le mec en bleu pensait peut-être à sa copine, je sais pas quoi, mais il l'a pas vu venir. 6. Il y a certains défenseurs, ils sont pas là pour jouer au foot, hein. Comme ce mec, il est venu jouer au tibia. Rien d'autre. 4. Quelque chose me dit que le mec en noir était juste fatigué et voulait se coucher et voulait juste prendre quelqu'un d'autre avec lui. C'est tout. 3. Dans la vie, il faut pas crier trop vite la victoire. 1. Tu t'es débarrassé du gardien. 2. Tu t'es débarrassé du premier défenseur. Mais il y avait un deuxième défenseur qu'il n'avait pas pris en compte. C'est pourquoi il prenait tout son temps. Erreur, il est venu et il t'a mis un tacle intacraclable. 2. Je vous l'ai toujours dit, si je joue contre des gens qui font ces trucs devant moi, je les envoie à l'hôpital et je me rends à la police. 1. Et mon cousin que voici en Afrique du Sud a bien compris la leçon. Quand tu m'humilies, le match finit.